Salut à tous, c'est Lulien Gentleman et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ether One, le quatrième. Je viens de tourner le troisième et je reprends tout de suite le quatrième. Voilà, je fais une session que je n'ai pas bougé depuis la dernière fois, donc on va essayer du coup de trouver un moyen de réparer ce projecteur et espérons qu'on y arrive. Alors, voyons voir, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a des cloches. Il y a un marteau. Ah! Non, pas la clé! Je vais reposer la clé. Là. Et le marteau. Voilà, parce que c'est sûrement des objets utiles, donc vaut mieux les mettre à cet étage-là. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là-dessus? J'ai regardé par la fenêtre. Ouais, bon, il contemple la mer et le phare. Le son. Attends, overlooking and the bouées that les bouées qui font blob blob dans le port. Ok. Le son m'a inspiré d'explorer different tones with the machine. Oula! Il a regardé les bouées et ça l'a inspiré pour faire une mélodie avec les cloches. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc je suppose que je vais devoir aller voir les bouées moi aussi. Ah! Est-ce qu'il faudrait pas que je... Attends, est-ce qu'on peut voir ici par la fenêtre? Non, on voit pas les bouées. Il a dit au-dessus, la fenêtre au-dessus des marches. C'est laquelle du coup? C'est celle-là? Non, parce que là on voit rien. Celle-là du coup. Et là il y a des bouées. Ces bouées-là là. Comment on fait déjà le zoom? Non, c'est pas ça, putain, quel con. Je sais qu'il y a un bouton qui permet de zoomer. Attendez. Option. Contrôle. Ta-ta-ta! Ah, c'est le. D'accord, c'est le bouton droit de la souris. Très bien. Ok, alors faisons ça. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est bon. Ok. Ah, le zoom, merci. Alors, du coup, en faisant ça, on peut voir les bouées. Je vois pas bien le délire, là. C'est des bouées. Parce que je me disais qu'il doit sûrement falloir... il va sûrement falloir frapper les cloches dans un certain ordre. C'est ça qui va réparer le truc. Encore? Je l'ai déjà ce livre. Il va sûrement falloir les frapper avec le marteau, là. Dans un certain ordre. Ah, attends, celui-là, je sais où je vais le mettre. Je vais le mettre à la place de la clé de tout à l'heure, là. Hop. Voilà. Comme ça, au moins, toutes ces étagères, elles sont là. Mais en regardant les bouées, je n'ai absolument aucune idée de qu'est-ce qui pourrait me donner l'ordre. Tiens. Il manquerait pas un... Si, si, il manque un anneau. J'en ai des anneaux de coffre, moi, ils sont là. Et ce serait pas là qu'on pourrait faire notre 1513? Alors, par contre, il faut que je vois bien. 1000... C'est 1513, hein, c'est ça? Ouais. Ah! 513. Ça s'ouvre pas. Bon. Cela dit, au moins, je l'ai réparé. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Cher monsieur Bell, merci! Ta-ta-ta. Ah, c'est quand il a acheté la maison.
Donc il a loué pour 6 mois. Sa location commence lundi prochain, mais il peut venir s'installer quand il veut. Je sais que cet endroit est petit, mais c'est près de l'atelier et vous avez une superbe vue de la mer. Et c'est cool pour l'électricité si vous voulez faire courir des câbles le long de la maison. Monsieur, vos tiroirs sont un peu vides. Y a vraiment rien avec ça là, parce que je suis désolé, mais. Ah, attends, déjà il y a un article. Oh putain! Procession funéraire, 23 morts à la mine de Brimcliffe. Ouais, donc c'était triste. Après, on a le nom des mineurs. Burton, Gregson, Gregson, Hemingway, Shorrocks, Lewis, Lewis, Philpenman, Thornton, Shunvy, Farrell, Farrell, Peterson, Westerman, Frost, Foster, Apostle, Thompson, Whistler, Wright. Ils sont tous noyés quand il y a eu une explosion qui n'était pas prévue dans la chambre de la mine qui a été du coup remplie avec de l'eau de mer de la Manche. Une centaine de résidents des villages des villages autour se sont rassemblés à 9h aujourd'hui, 9h du matin pour une procession funéraire. Donc j'avais bien raison. Et ça, c'est un gouvernail. Je suppose qu'à un moment donné, il faudra que j'aille dans un bateau. Donc je vais prendre ce gouvernail et je vais le mettre là. Voilà. Les objets un peu plus importants que la bière, il faut les mettre un peu plus en évidence. Engineering drawing. Donc le dessin industriel, sûrement le dessin. J'en ai fait du dessin industriel à l'école. C'est pas facile, mais ça va, c'est pas la mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, la canne là qui est ici, je peux pas la prendre. Pourtant, ça avait l'air d'être un objet un peu caché, enfin mis en évidence. Caché, mis en évidence, oui, c'est un concept ça. Le célèbre objet caché, mis en évidence. Oula, qu'est-ce que c'est ça? D'accord, c'était une cache avec un autre truc. Bon, alors le morceau de bois en lui-même, on s'en fout un peu. Mais ça, c'est intéressant. Je vais le prendre et puis je vais le mettre avec les autres là. Il va remplacer l'ancien. Ou alors. Bah non, je peux plus parce que maintenant, si je touche à la rondelle, elle tourne au lieu de s'échanger. J'allais dire, il faut peut-être que. Je pouvais peut-être le faire que avec celle-là en la trouvant, mais bon. Bon, et alors là. Vous êtes vraiment sûr que... Enfin, je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait dire c'est d'abord l'une, puis l'autre. Peut-être l'ordre dans lequel elle se secoue, mais... Alors c'est quoi? C'est gauche... Gauche... Milieu... Gauche... Droite... Gauche... Milieu... Ce serait gauche, milieu, gauche, droite, ou alors j'ai pas pris la séquence dès le début, et à ce moment-là c'est autre chose que gauche, milieu, gauche, droite. Ce serait peut-être milieu, gauche, droite, gauche. Bon, essayez, on va tous les faire, et si c'est pas ça, ben, tant pis. Alors donc. It took 5 months and 2 lots of pocket money to buy such a beautiful music box. Only fair that it should spend a little time in each person's house. Elle parle d'une boîte à musique, mais j'ai toujours pas compris ce que c'était. Le mec a construit une boîte à musique, et du coup, elle dit la boîte à musique a été si belle que du coup, on se l'est passé dans tout le village. Memories. Beautiful memories are made of beautiful things. This is one of them. J'ai réussi, hein. C'était vraiment ça qu'il fallait faire? Bon. D'accord, ok, bon, bah, ok. Putain, c'était pas évident, hein. Okay, so the item I'm beginning with is the music box. The diary entry suggests that this was an early memory.
think this may trigger a strong emotional response if I use it at the right time. It may be too early to tell, but looking at what I have, I think this may be the strongest item here, due to the fact that there's a musical element attached to it. We shall see. Bon, bah, elle a essayé de lui faire écouter de la musique. C'est quoi ce bruit? La porte s'est refermée là. Non, elle est toujours ouverte. D'accord. Là, par contre, elle est fermée. D'accord, ok. Très bien, très très bien. Alors. Donc, j'ai réparé deux trucs. Maintenant. Ce que j'aimerais bien faire, pour essayer de retomber un peu sur mes pas, c'est de retrouver l'escalier que je pouvais emprunter dès le début. Il doit être par là, techniquement. Il y a un ruban, là. Qui est un peu au milieu de nulle part, d'ailleurs. Merci. Bon, elle me félicite pour avoir trouvé le ruban. Et elle s'excuse pour m'avoir traité d'abruti tout à l'heure. Ce qui est la moindre des choses. Elle m'a traité d'abruti quand la mémoire s'est enfuie. Je peux pas avancer là, d'accord. Et là, ça sert à rien parce qu'il y a de l'eau. Mais alors du coup, faudrait peut-être que je revienne sur mes pas et que je retrouve le début du jeu et que je parte moi-même dans les marches. Et faudrait aussi que je trouve un moyen de restaurer le projecteur, le deuxième, là. J'ai toujours pas compris comment il fallait faire. Mais j'ai vraiment aucune idée. Autant le premier, j'avais des idées de merde qui sont avérées être les bonnes. Autant pour le deuxième, j'ai même pas d'idée de merde, quoi. Donc ça, j'en viens, c'est ça. Ouais, c'est là-dedans qu'il y a le fameux deuxième projecteur qui est là. Et je sais absolument pas quoi faire avec, quoi. Faudrait que j'arrive à ouvrir cette porte. À moins que ce soit comme la première, qu'il faille que je ferme les autres portes. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ça marcherait pour les autres aussi. Et si j'essaye avec la clé maintenant? Ah non, attends, ou alors faut peut-être que je ferme aussi en bas. Royaume des idées de merde, bonjour, hein, c'est... Je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Voilà, il n'y en a pas d'autres de portes. Si, là-bas. On va fermer toutes les portes et on va essayer d'ouvrir celle-là. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Et celle-là. Allez, on ferme tout. Voilà, donc là, on a tout fermé. Et puis, je vais aller chercher la clé. Et puis si c'est pas ça, ben je sais pas. On testera autre chose. J'essaierai de retourner déjà aux escaliers pour voir un peu si je rate pas quelque chose, parce que si ça se trouve, c'est pour ça que je peux pas avancer. Non, ça ne sert à rien. Donc... Bah, sortons de là. Hein. Sortons de là et essayons de retrouver les fameux escaliers du début. Voilà. C'est ça ma mission aujourd'hui. On va essayer de faire ça. Faut que je fasse gaffe aussi au reste, hein, parce que...
prends la, je peux la prendre la rame qui est là. Le filet de pêche, non. Parce que genre par là, je crois que j'y suis jamais allé, si. Non. Je suis jamais venu par là. Bon, attends, on verra ça après. On fait une chose à la fois. Parce que là, ça m'a l'air d'être un peu un carrefour avec plein de trucs, on va se perdre. Donc, première étape. Première chose à faire, c'est retrouver le début. Ça, c'est l'atelier dans lequel je suis rentré la première fois. Avec les câbles et tout. Là, j'y suis encore jamais allé non plus. C'est de là que je viens. Hein. Oui, voilà, c'était ces escaliers-là. Donc, il faudrait que je retrouve les autres. C'est très calme comme musique, c'est reposant, ça fait du bien. Hop, voilà. Au lieu de tourner en rond, on va faire le chemin deux fois, c'est pas grave. Voilà, qu'est-ce qu'il y a en bas de ces escaliers-là? Où est-ce que j'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je peux aller tout droit ou tourner à gauche. On va tourner à gauche pour commencer. Je peux rentrer dans cet endroit-là. Ah! Ah, j'ai bien fait de venir! Did I ever tell you about an old colleague of mine who experimented with brain cell transplants? Taking them from one memory and surgically implanting them into another. An attempt to reconfigure their minds, he said. Fascinating stuff, really. Imagine what we could do with that level of scientific freedom. Le mec, il prend une mémoire et il le met dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Ça ressemble à au scénario du film avec Schwarzenegger, là. Comment il s'appelle ce film? Total Recall. Je peux te piquer ta soupière, toi? Ah, mais non, mais je peux rentrer chez toi, par contre. Bonjour! On va piquer des tasses à café. Ça vaut pas des verres de bière, mais bon... il le faut bien, hein. Il faut qu'on remplisse toutes ces armoires. Hop là! Alors, suivant. Bon, là, y'a rien. Y'a rien sous la table. Oh! Truc de malade, ça. Ah, tiens, ça, c'est le même portrait qui est au-dessus de mon lit dans The Case. Ça, c'est un plat en forme de cœur. C'est théoriquement important. Voilà, on va faire comme ça. Ah, de l'alcool. Ça faisait longtemps. Avec tout ce thé, moi je commençais à m'inquiéter, hein. Mais non, ça va. Les gens ici boivent pas que du thé. Pas la télé. Et la radio s'est déjà éteinte. Bah, d'accord. La qualité des programmes de la région laisse franchement à désirer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que vous avez vu cette boîte à musique? Oui, on l'a vu, elle était dans le film. Oh là, il y a une main. Est-ce qu'il faut que je mette ma main? Bell Inventions Fresher into Pinwheel. Donc les inventions de Abel. Ah, il y a aussi un truc médical ici. Personne très malade. Alors, j'ai trouvé cette vieille lettre. J'avais oublié que je l'avais écrite il y a des années.
Je ne sais pas pourquoi j'écris ça, tu es parti maintenant et je dois l'accepter. J'ai 89 ans et je peux à peine écrire proprement. Je ne suis d'aucune aide à personne. Je n'oublierai jamais ton visage radieux. Et même si une partie de l'école a été écrite, a été n'importe quoi écrite, construite par là où on a enterré la capsule, je me souviens toujours du code. Ton anniversaire, bien sûr, 0911, enfin, tu me manques tellement. Bisous, bisous. 0911. Je commence à avoir pas mal de codes et très peu de coffres. D'habitude, c'est l'inverse. Ce jeu prend les problèmes pas dans le bon sens, j'ai l'impression. Il fait un peu sombre ici. J'arrive pas bien à voir ce qui se passe. Il y avait une porte, là. Ceci est une porte, n'est-ce pas ? Elle veut pas s'ouvrir. Elle a l'air d'être posée contre le mur, en fait. Ouais, c'est ça, c'est la porte de cet endroit-là, mais qui a été posée contre le mur. Très bien. Ici, qu'est-ce qu'on a ici ? On peut toujours pas voir ce qu'il y a là-dedans. On peut toujours pas prendre ça. On peut toujours pas prendre ça. Toutes les cuisinières se ressemblent. Ici, on a un joli pot. Attends, il y avait quoi au niveau du bec, là ? C'est très mal dessiné. Mais enfin, bon. On va mettre cet objet-là, là. Est-ce qu'on peut ouvrir le frigo ? On peut même pas ouvrir le frigo, sérieux. Moi, quand je rentre chez les gens, la première chose que je fais, c'est fouiller dans le frigo, quoi. C'est la base. Un sac de riz, sûrement. Ou un vase, je sais pas bien. Des ustensiles de cuisine, des ustensiles de cuisine et des ustensiles de cuisine. Tous les mêmes d'ailleurs. La pauvre, elle doit avoir un toc. Les chiottes, ils aiment bien les chiottes ici. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là ? Oh, il est encore un étage. Ah ouais, d'accord. Il n'y a pas un bouton pour allumer la lumière là ? Parce que sérieusement, on voit plus rien là. Si ça se trouve, je vais rater des informations vitales et... Et je le saurais même pas, quoi. Ce qui est le principe de rater quelque chose en même temps. Ah, Bon, là, il y a des valises et des livres. Mais rien de bien folichon. Là, il y a d'autres valises. D'ailleurs, il y a les valises, hein. Deux lits séparés, dont un... un qui est aussi séparé de son matelas. Ah, mon amour, je veux que nous fassions quelque chose qui pourra rester pour toujours, quelque chose que quelqu'un dans le futur pourra trouver, genre moi, et comprendre les sentiments que nous avions l'un pour l'autre. J'en ai marre de tous les trucs normaux que les gens font quand ils sortent ensemble. Nous sommes différents, notre amour est plus profond que les autres, d'une certaine manière. C'est un amour important. J'ai pensé que nous pourrions créer une capsule temporelle avec plein de trucs qu'on aime beaucoup, des lettres et puis des objets qu'on aime, l'enterrer quelque part et ça restera là pour la centaine d'années à venir. Qu'est-ce que t'en penses ? Écris-moi, Tom. Eh bien, Tom, je pense que ça s'est fait finalement puisque vous aviez... Eh, je peux pas la lire celle-là ? Vous avez même mis un code et puis les gens, ils ont construit une école par-dessus et tout ça. Donc au final, c'est plutôt cool. Alors, dans les chiottes, qu'est-ce qu'on peut trouver ? De la confiture ? Non. Honnêtement, c'est des médicaments. Ça m'étonnerait que j'en ai besoin. On va le mettre avec l'alcool parce que c'est toujours une bonne idée de mélanger l'alcool et les médicaments, n'est-ce pas ? Non. Absolument pas. Ici, l'évier marche toujours pas, je suppose. Voilà. Les toilettes. Et puis... attends, ferme-toi, toi, un peu. What ? Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Voilà. Comme ça, on peut investiguer convenablement. Oh, il n'y a pas de cadavre dans la baignoire. Pff. Nul. C'est nul, hein.
Bon, bah alors montons au dernier étage, voyons voir un petit peu ce qui se passe. Il n'y a rien par là, d'accord. C'est un peu obscur, surtout par là. Qu'est-ce qu'il y a par là? Non, il n'y a rien, ok, ça va. Là, il y a un pianal. Un pianal des pianos. Ah bah non, il n'y a pas de piano. Hey, how you holding up? I got the message. You don't sound yourself when you're in there. I still can't shake this feeling that this whole thing is a bad idea. But I guess you need this. I don't know. D'accord. C'était très peu intéressant. Putain, mais y'a rien ici, c'est incroyable. J'ai fouillé toute cette zone et j'ai récupéré 4 objets et surtout des lettres. Alors la note, deuxième note sur 3. Mon cher Tom, bien sûr que je vais t'aider avec la capsule. C'est incroyable, romantique, excitant. Je trouve aussi que notre amour est différent de celui des autres couples. Gna 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 gna. J'ai jamais ressenti quoi que ce soit pour quelqu'un, enfin quoi que ce soit de cette nature pour quelqu'un d'autre. J'espère qu'on pourra être ensemble pour toujours. Rejoins-moi ce soir à côté du vieux chêne, en bas de l'église et près du bord de la falaise. Ce sera l'endroit parfait pour enterrer la capsule. Amène aussi les trucs que tu veux mettre dedans et une boîte. Bien, bien, bien. Donc il va falloir que j'aille au bord de la falaise, au niveau du vieux chêne. En bas de l'église. C'est où la sortie? C'est par là déjà, c'est ça? Non, c'est pas par là, ça c'est la chambre, elle est à la sortie. Bon, bah écoute, ok. C'était pas très intéressant. Si, on va sûrement avoir des trucs importants dans cette... Dans cette capsule. Have you got an umbrella? I didn't think we'd get caught out in it today. Another one. You're really doing a very good job, Restorer. Although I should mention, the board are going to be monitoring our progress tonight. So failure to retrieve the artifact is simply not an option. On n'a pas le droit d'échouer. Ça s'est fermé. Est-ce que ça s'est ouvert? Ça n'a pas l'air. Bon. Ok, donc elle a dit l'échec n'est pas une option. Je viens de me faire mettre en échec par deux portes, là. Ça fait pas du bien. C'est là qu'il y a le petit truc qui tourne? Non, pas du tout. Putain, mais c'est... Ah si, c'est là. Ouais! Ok, j'ai retrouvé mon chemin, on tourne pas en rond. Enfin si, on tourne en rond, mais du coup, je sais où on est. Ouais! Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté par là? Ça, c'est pas là où on a commencé le jeu? Non. Ah ben non, ça c'est la chambre avec, oui, avec l'équipement de la vieille dame qui est malade et tout. On est allé par là? Oui, on est allé par là. Oui, 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 bien sûr qu'on est allé par là. Oh, tiens, je vois un autre là de ruban. On aura fait beaucoup de chasse au ruban aujourd'hui. Le festival de mai, oui. Alors. Ah! Il y a eu un vol dimanche matin. Monsieur Thompson et Monsieur Penman ont volé un bateau de J.D. Taylor's. Non, ils ont volé une cargaison de la bière qui était faite à J.D. Taylor's. Ils l'ont piqué dans l'entrepôt de J.D. Taylor. D'accord. Au lieu de le voler, ils l'ont mis dans une autre maison. Sur les docks, et ils en ont bu la majorité. Une alerte a été entendue au commissariat à 4h du matin, le lundi. Donc, quand les résidents, les voisins se sont plaints des cris et des chants qui venaient de cette maison. Le temps qu'on arrive, les deux voleurs étaient complètement cuits et ils s'étaient endormis.
ils ont été arrêtés et bien sûr ils ont dû payer une amende parce que on ne vole pas de la bière, bon sang. Peu de respect pour la bière quoi. Merde. Please remain focused in their restorer. I can't stress to you how much I'm relying on you to succeed. I've been let down far too many times before, and I won't stand for it again. What? Yes, I asked you half an hour ago. No, I want you to inject it now. I don't care. They have clearly stated the procedure's intention, so do as I ask. Sorry about that. I need to go and sort out an incompetent individual as per usual. I'll be back shortly. Apparemment, elle donne des ordres aussi à des gens, elle leur demande de faire des injections pendant qu'elle me félicite d'avoir retrouvé tous ces nœuds papillons. Des buveurs de thé. Ça existe encore, apparemment. Malgré toute la bière qu'il y a ici. Bon, ça c'est un peu cassé. Ça aussi, ça c'est un ardoir. Une clé à molette. Ouais. Bien la clé à molette. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais c'est une clé à molette. Et les clés à molette, c'est toujours utile. Hop, on la met là. Voilà, c'est comme les clés. Elles sont pas censées rester là sur une étagère pendant des heures. C'est quand même important. The tone, the rhythm, just listening to that melody would never get old. Je peux pas sauter là? Je peux pas passer par la fenêtre et marcher sur les toits? C'est dommage. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a là? On a une bougie. On a un compteur électrique. 0427. Avant que ça... Ouais, non, ça va pas être stocké chez moi. Donc, 0427. Un fusible. Que je peux garder. Bah, attends, je vais le remettre en place. Rien ne dit que ce fusible est important. Et au contraire, il risque de me manquer parce que je vais oublier qu'il était là. Dans les jumelles, ça peut être important, donc je vais le mettre plutôt. Je vais les mettre plutôt ici. Attends, il y a un truc collé sur ces jumelles ou c'est moi? On dirait des éléphants. Mais je crois que c'est juste sa manière de dessiner le verre en fait. Toujours les livres d'Abel. Et une autre étagère de rempli. Ah non, attends, il y a encore le niveau du bas, c'est ça? Ouais. J'ai pas fait le niveau du bas, évidemment. Forcément, ça va pas le faire. Donc là, on voit par la fenêtre. Il y a des diplômes. Tiens, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans d'intéressant? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une perceuse. Ah non, c'est des chaussures. Et par là, non, il n'y a rien d'important, d'accord. Là, il y a une loupe. Ah, la loupe. J'ai plein d'objets qui sont d'ordinaire vachement utiles dans les jeux d'aventure. Et là, que dalle, quoi. Sont pas super utiles, enfin en tout cas je ne sais pas quoi en faire. De toute façon j'ai pas de projecteur à restaurer dans ce coin là pour l'instant. On n'a pas vu la queue d'un. On va faire cette zone là. Ah oui, ça fait déjà 34 minutes quand même. Ah bah ça va, c'est juste un urinoir public. Y a rien d'autre dedans? Non, ça c'est les chasses d'eau. Réservoir d'eau. Très bien. Et ça c'est les câbles qui sont le long de la maison de l'ingénieur du forgeron. Du coup tout va bien, tout est nickel. Tiens, là il y a une niche. Et ben écoutez, dans le prochain épisode ce qu'on fera c'est qu'on va aller visiter un peu cette cour parce que ça fait un petit moment maintenant que je laisse pisser que j'ai pas envie de faire toute cette zone parce qu'elle m'a l'air immense.
Donc on fera ça la prochaine fois. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on va lire cette note et puis après je vous laisse. Salut Jan. On s'en fout. C'est un mec qui parle de comment son entreprise elle va bien. Encore un coup? Non! Comment on descend ici? Attends. Si je fais ça. Ah! Je peux pas sauter dessus. Je peux pas sauter là non plus. Il y a un mur invisible. Merde. Bon, bah alors je ne sais pas. Parce que c'est... Merde, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. C'est une des portes qui est fermée en bas, ça. Ça correspond à... Ça correspond à cette maison-là. Et cette maison-là, elle a une porte ici. C'est ça? Ah non, pas du tout. Ok, d'accord. Donc, ce sera sûrement en explorant la place, ce qu'on fera lundi, qu'on découvrira le pourquoi du comment. Et voilà, il y a sûrement une porte de ce côté-là. Voilà, elle est là en plus. Juste là, on la voit. Donc, écoutez, on rentrera là-dedans, on continuera, on fera tout ça. C'est la poste de Pinwheel. On s'occupera de tout ça la prochaine fois. En attendant, je vous dis salut à tous, à la prochaine. Ciao !